Excusez-moi le dérangement, c'est vous, Madame Sambon? Oui, c'est moi. Je connais pas ce qu'il y a. Merci. Bon, pardon, désolé encore du dérangement. Non, non. Je viens parce que c'est votre mari que je suis en train de chercher actuellement. Je cherche votre mari en ce moment là où vous me voyez, je marche là, je le cherche. Il a tout fait pour que je ne puisse pas connaître votre salon et tout. Mais j'ai mené mes enquêtes et Dieu merci, je suis arrivée. Je suis au bon endroit comme ça. C'est vous Madame Sambon, n'est-ce pas? C'est moi Madame Sambon. Très bien. Monsieur m'a enceinté. Et depuis, j'ai plus de ses nouvelles. Ces numéros ne passent plus. Parce que le bon monsieur m'a fait comprendre que quand vous n'enfantez pas, il m'a promis, je lui donne l'enfant, il me met bien, il me met à l'aise, il va me... Donc c'est ça, c'est la raison de la venue. Ah l'enfant là vraiment. Là maintenant on fait ça comment? Hein maman? Quand tu viens ici le matin, me fais ton beau discours de l'intellectuel. On gère ça comment là? Je ne comprends pas madame. Je ne vous comprends pas. Quand vous vous engagez souvent, vous êtes seul. Maintenant quand ça éclate, c'est plus bon, vous mélangez les gens. Est-ce que moi j'étais avec vous quand vous avez commencé? Vous n'étiez pas là. Maman, vous avez commencé, j'étais avec vous. Il t'a enceinté. Tu n'arrives plus à le retrouver. Il est ici, il est là-bas. Le numéro n'est pas... C'est ton gars, non? Quand tu viens me voir, maman, je vais faire comment? Est-ce que j'étais avec vous? Est-ce que ce que vous vous êtes dit, vos clauses, ou bien est-ce que j'étais avec vous? Les gars, c'est la rentrée scolaire, je suis en train de travailler mon argent. L'argent vient de commencer, il ne faut pas venir me molir la journée. Tu as là son travail? Pas encore. Va à son travail? Quelqu'un qui sort avec toi, je pense que tu connais où il travaille? Non, il m'avait montré. Va à son travail, maman. Tu demandes le vigile qu'on appelle Yann, c'est son bon petit. Yann va t'emmener à son bureau. Allez-y, gérer ça là-bas. Moi, j'ai d'abord mes propres soucis, maman. Hein? Vous pensez que les hommes d'aujourd'hui, ils sont idiots, quoi? Les hommes d'aujourd'hui sont calculateurs, maman. Tu n'as pas dans la vie, tu travailles? Non, je ne travaille pas. Les hommes d'aujourd'hui sont calculateurs. Tout pour eux, c'est avec l'intérêt. Donc, tu penses que sans moi, peut me laisser? Moi qui travaille. Moi qui investis, moi qui contribue aux charges de la maison de sa famille pour te prendre, maman. C'est un grand calculateur. Tous ceux qui vous promettent, quand ils sont entre vos jambes là, dans les quatre murs, ils ne réalisent pas ça. On vous parle de ça comment? Madame, je peux quand même avoir son contact parce que. Mais ce sont les mêmes numéros. Si je te ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est qui t'a bloqué chez moi, ça passe? Quand tu rentres, il m'a appelé pour me souhaiter bonne journée. Oh, maman. Non, non, pardon, il faut aller le chercher. Prends ta famille, allez-y à son travail, faites un communiqué. Pardon, moi j'ai mes problèmes. Va chercher ton mari sans bon là-bas dehors. Pardon, il faut arrêter de marcher avec mon homme. Ne me cherche pas. C'est moi je t'ai cherché. Hein? Là, comme pour toi maintenant, tu n'es plus valide, tu es maintenant invalide. Ben, il est en train de chercher une nouvelle proie. On vous parle, vous ne comprenez pas. Les hommes d'aujourd'hui, calculateurs. Tu sais garder un secret. Oui. Voilà. Je ne suis pas stérile. Mais tu sais pourquoi moi je n'ai pas encore fait un enfant avec mon propre mari? Parce que je veux d'abord assurer mes arrières. Parce que je veux d'abord travailler et gagner mon propre argent, avoir ma propre stabilité. Maman, l'enfant n'est garanti par le mariage. L'enfant n'est garanti pas qu'il va me laisser pour te prendre toi. Ça c'était avant. Voilà. Donc il faut mettre ça dans la tête. L'enfant n'est garanti plus rien. Ça c'était avant. Donc si tu as fait l'enfant sans bon pensant, que tu peux prendre ma place. Vraiment, Yako, je suis désolée pour toi. Ça, c'est ta femme. Hein? Il ne faut pas laisser quelqu'un qui se dévoue, qui rapporte l'argent à la maison pour une autre. C'est faux. Non. Il faut aller chercher Sambo, ma soeur. J'ai courage. Vraiment courage. Que ta famille t'accompagne, qui te soutienne. C'est quoi? Je vais déranger les gens. Je m'en sers. Pourquoi je vais là-bas?